Kenny, déjà bienvenue au Sporting Club de Toulon. On peut déjà un petit peu revenir sur ton parcours. Tu as été formé dans un club professionnel à Lens. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être formé dans un centre de formation d'un club professionnel? Qu'est-ce que ça change finalement? Bonjour déjà pour commencer, merci de m'accueillir ici. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Tout simplement, j'ai mûri plus vite. J'étais internat très tôt, parce que je suis parti à l'âge de 12-13 ans à l'internat. Donc forcément, il faut mûrir, il y a papa et maman derrière, donc forcément, il faut tout de suite s'adapter. Ensuite, tu as fait pas mal de clubs, tu as même fait une pige en Angleterre, je crois. Comment ça s'est passé cette expérience? Tu as eu une blessure à ce moment-là, c'est ça? Oui, en fait, je suis resté 3-4 mois. J'étais en CFA à Wascal, je suis parti à Bristol pour des essais. Je suis resté 3-4 mois, j'ai fait deux matchs officiels, parce qu'en Angleterre on a le droit de faire deux matchs officiels même si on n'a pas de licence, avec les U23. Puis j'ai fait 6 ou 7 matchs amicaux. Et ils m'ont proposé un contrat professionnel, je suis revenu en France le temps de la négociation. J'ai fini le championnat avec Wascal, il restait deux matchs et j'ai fait les croisés sur le dernier match. D'accord. Voilà. À ce moment-là, il y a eu une remise en question. On m'a dit que tu t'es posé beaucoup de questions. Finalement, tu es quand même resté dans le football. Tu es resté dans ta passion. Ouais, pour être franc, au début, on se dit est-ce que je vais continuer? Est-ce que tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête? Tu dis bon, j'ai jamais de chance, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais commencer à préparer mon avenir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un BPJEPS derrière. Mais oui, au début, c'était je vais arrêter le football. J'en ai marre, mais au final, le naturel revient au galop et le football, c'est toute ma vie. Donc forcément, j'ai repris goût et puis voilà, donc je suis arrivé ici dans un bon club. Donc que du plus. Justement, ouais, t'as enchaîné quelques clubs. Aujourd'hui, tu es au Sporting Club de Toulon. Qu'est-ce que tu connaissais avant de signer ici? Qu'est-ce que tu connaissais du Sporting? Forcément, je connaissais un peu son historique, parce que je suis quelqu'un qui est accro au foot. Donc forcément, je regarde tous les résumés sur YouTube, que ce soit National ou National 2. L'année dernière, il y avait beaucoup de résumés. Donc j'avais vu un peu le club, comment ça se passait en National. J'avais entendu que beaucoup de bien sur les infrastructures, sur la gestion du club. Donc ouais, j'étais un peu informé là-dessus. Et puis avant de signer, je me suis encore informé auprès de certaines personnes qui sont passées par ici, par des personnes qui habitaient Toulon, donc voilà, j'ai entendu que du bien, donc je suis arrivé ici. Justement, tu viens de signer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi sur un terrain de foot, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, comment tu joues? Donc tu es attaquant, évidemment, on ne l'a pas précisé, mais quel attaquant tu es finalement? Alors, je me considère comme un attaquant qui est plutôt bon dos au but. Je suis beaucoup en point d'appui. Donc je garde les ballons et puis je joue pour les partenaires. Et j'aime être dans la surface forcément, comme je suis un attaquant. Et donc je suis assez à droite devant le but. Et voilà, mes qualités, c'est surtout ça, et la vitesse. Après, si j'ai un petit défaut, je pense que c'est physiquement, je suis un peu, on peut le voir là à l'entraînement, où ça fait longtemps que je n'ai pas connu des entraînements avec autant d'intensité. Donc voilà, c'est là où on travaille, c'est pour ça que là on a deux séances par jour avec le prépa physique pour me préparer là où j'en ai besoin. Justement, là on est évidemment dans une période un petit peu particulière, il y a eu une grosse coupure, le championnat n'a pas encore repris, il ne reprendra qu'en 2021. Toi, tu seras prêt à la reprise du championnat ou comment ça va se passer? Oui, je serai prêt avec les séances qu'on fait là aujourd'hui, plus les séances d'après-midi avec le prépa. Je serai largement prêt, en sachant que le football ça va pas reprendre maintenant, on va avoir plus d'infos bientôt, mais à mon avis personnel, je pense que ça va être début février. Donc ouais, on a le temps pour se préparer, on a le temps pour revenir bien physiquement, et puis après il n'y a plus qu'à foncer. Un dernier mot peut-être sur tes coéquipiers, comment ils t'ont accueilli? Tu es là depuis quelques jours maintenant, comment ça s'est passé? Eh bien, très franchement, j'ai l'impression que ça fait déjà un mois que je suis là. Ils m'ont accueilli super, c'est des super mecs, un super groupe. Il y a un très bon état d'esprit et franchement, je les remercie pour leur accueil, parce que c'est top. J'ai rien à dire là-dessus, franchement top. Je te remercie, merci beaucoup.